C'est l'antre où tous les dragons du royaume devraient être en train de dormir. Et ça, c'est la raison pour laquelle ils se sont enfuis. Venez, suivez-moi. Rassemblons tout notre courage. Il fait plutôt sombre là-dedans. Je vais arranger cela en un tour d'épée. Hey, on y voit trop bien. Allez, la petite troupe, restez bien groupée. Il faut qu'on trouve ce qui a effrayé les dragons. Mais si les dragons ont pris peur, c'est que le monstre doit être énorme! Avec des grandes dents et plein de bave! Avec des poils touffus et hérissés, on ferait peut-être mieux de repartir! Oh, vous alors, pouvez-vous arrêter de vous faire des frayeurs? Je rectifie, ici il était particulièrement repoussant, voire même hideux! Ok, mais comment dire? Parfois quand quelque chose nous met mal à l'aise, on a tendance à ne voir que ce qui nous fait peur! Faites-moi confiance, quand on aura trouvé ce qui a fait fuir les dragons, ça nous semblera sûrement moins effrayant que ce qu'on croyait. En es-tu sûre? J'en suis certaine! Tu as plus peur que tu ne dois, des choses que tu ne vois pas. Si tu regardes de plus près, tu verras qu'elles n'existent pas. Sois fort et brave, ne t'alarme pas, n'invente pas des choses qui n'existent pas. Approche-toi un peu. Sois fort, c'est ton imagination qui a tort. Approche-toi un peu, rien ici ni ailleurs. Pas de quoi.